Allez, bonjour tout le monde. Hi everybody. J'ai essayé de faire cette vidéo à deux reprises. J'ai fait la vidéo, la suite des vidéos, des deux vidéos qu'on a vues. J'ai fait une fois, puis par erreur, pendant l'édition, je les ai effacées. Et je refais, j'ai effacé. C'est la troisième fois, répéter la même chose. Donc je pense que c'est la dernière fois. Alors c'est aussi la dernière série des accompagnements, accompagnements secousses, comment composer des accompagnements. Mais aujourd'hui, on va voir. La partie scale. Hi everybody, this is the third time I'm doing this video. I kept on deleting them, you know, by mistake, you know, during editing. I delete everything I've done, and then I did again another day, then I delete again. So this is the third day, the third time. I hope it's the last time. And also, this is the last series, the last lesson in the series about how to create, you know, soukous rhythm lines. So today we're going to see the scale, this part where we need to compose, you know, phrases, notes to play along with the chords. Ok, donc on va apprendre à composer, à créer des licks, à créer des phrases, des petites phrases avec des notes du scale de la gamme. Ce sont des phrases qu'on va combiner avec les accords pour créer des accompagnements. We are learning to compose. We are learning to compose licks, short phrase that we're going to combine with chords in order to create soukous rhythm lines. This is what we're going to do now. Avant cela, je me réexpliquer où est-ce qu'on est. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est lorsqu'on a une mesure, hein, la mesure. Cette mesure nous permet d'émettre quatre éléments. C'est ça la musique soukous. Quatre éléments. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc c'est comme ça. Un élément. Deuxième élément. Trois. Quatre. Et puis on revient. Un. Deux. Trois. Quatre. Et puis on revient. On joue en boucle. Quatre éléments. Maintenant, cette technique veut qu'on puisse incorporer des notes pendant qu'on joue ça. On va remplacer certains éléments avec des notes. Donc, la technique, c'est quoi? C'est jouer l'accord. On a quatre éléments. Accord, les notes du scale. Accord, les notes du scale. Donc, c'est que ce soit accord, notes. Donc, c'est accord, notes. Accord, notes. Accord. Sorry. Accord. Accord, notes, accord, notes. Ou on peut jouer notes, accord, notes, accord. Notes, hein? Et puis accord. Notes. So, en anglais, we need to know what we're doing. So, you need to decide what you're gonna do. Either because we have a timeline, the measure, which allow us to only place four elements, four components. So, it can be one, two, three, four that we're going to play in loop. Now, you can use one of the techniques, which can be this one. You play the chords, you play the scale notes, you play these chords, you play the scale notes. So it will be this chord, note, and this chord. So it will be C and G. Alors, chords, notes. Thank you.
That was another example. So you can also do notes, so scale, or I mean not when I say note, I mean the scale. You play the scale, you play the chord, scale chord. I was playing this. Scale and not and chord. Scale. You decide to do either of those techniques. This is one thing, okay? Now, in a matter of fact, you know, we're going to the subject matter, how to create, to compose those licks. Very simple. Alors maintenant, voyons comment créer des phrases. C'est ça la leçon d'aujourd'hui. Comment créer. Now we're going to see how to create those phrases. Alors la première chose à savoir est qu'on est dans la tonalité des Do majeur. Ok? Donc la Do majeur ici, on va utiliser le scale majeur, la gamme majeure. Donc ça c'est notre musique secousse. Donc la gamme majeure, ce qu'on appelle des scales, des major scales, c'est ça. Donc, parce qu'on est en train de jouer dans la tonalité des Do majeur, donc on va faire ça. C'est ça, c'est tout, c'est ça la gamme majeure. Donc on va utiliser les 8 notes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le Do est joué deux fois. Donc c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, c'est 7 notes. On joue deux reprises, donc ça fait 8 notes. Donc on va utiliser ces 8 notes. Dans les trois premières cordes, hein, les trois cordes en bas, ce n'est que 8 notes qu'on va utiliser, combiner ces notes pour créer. So what we're going to do, we are in the key of C major, so it is the scale major. So we're going to use those 8 notes. Normally there are 7 notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. But we're playing C twice, so we're going to use those 8 notes to create. So we're going to concentrate in those three first strings of our fret, and we're going to play here. Now, let me explain it. Pour les gens qui n'ont jamais joué le scale, dont la gamme majeure, voici une technique très simple pour s'exercer, mémoriser et puis maîtriser. D'abord, c'est parce que l'accord tonique. Et là, c'est l'accord tonique. Quand l'accord tonique est là, je prends le barré, c'est aussi ça. On peut jouer de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do partout, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est jouer ici. C'est ici qu'on crée voilà, nos partitions. Donc, je vais montrer à partir de de barré. On peut aussi jouer ici. Jouer sur toute la manche. Donc, on se concentre ici. Donc, ici, c'est à partir. Voilà. Je vais montrer le scale pour les gens qui sont novices. Donc, cinquième fret, hein, cinquième case, troisième corde. Hein. Ici, tu joues cette corde ici, la troisième. Tu joues deux notes. Hein. Ce sont les deux notes. Do et puis Ré. On descend. Deuxième corde, trois notes. Pardon. Trois notes, hein, deuxième corde. Et puis la première corde, trois notes aussi. Voilà. Ba bam, ba ba bam, ba ba ba, ba ba, ba ba ba, ba ba ba, ba 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 ba
ba ba ba ba ba ba ba ba. Donc 3, 3, 3, 2. Joue ça plusieurs fois et puis tu vas maîtriser. Donc, for the people who never played this major scale before, it is very simple. We are in this key of C major. So our scale is here. You can play it everywhere in the fireball. It's not interesting for us. We are creating how we call it, rhythm here. So I'm going to play just here. Fifth fret, three strings. Okay, third strings. I mean, oh, I'm here. Fret number five. Third string, so I'm going to play only two notes here. Do, re, so you have the C and the D. You have the E, F, G, A, B, C. Okay, restarting. Third string, I play only two notes. I go down, second string, three notes, and then first string. When you pick, if you start down, up, down, up, or up, down, up, down, okay? Lorsque vous frappez, il faut pas frapper comme ça. Il faut frapper, donc vous montez, vous descendez, montez, descend, montez, descend, montez, descend. Ou vous descendez, montez, descendez, montez, descend. Hein? Donc c'est ça. Alors, c'est ça le skill. Maintenant, on va utiliser ce skill pour créer. Alors, pour créer, c'est simple. On veut créer quoi? Faire des phrases. Ah, phrase. Phrase, c'est quoi? Dans le langage humain, une phrase, c'est tout simplement un ensemble de mots. Et on termine la phrase par un point, n'est-ce pas? On met des mots ensemble pour exprimer une idée. C'est la phrase. Puis nous devons chercher des mots ici pour créer la phrase. So what are we going to do? We create phrase, you know, compose some phrase. Yeah, phrase, sentence. What is phrase in human language? Phrase, it's just words put together to express an opinion, to express, you know, yourself. Phrase, words put together. Okay, this is the concept, huh? We need to put words together to apply it in the music. Donc, cela veut dire que ce que j'appelle les mots, c'est quoi? C'est un ensemble. Donc, les mots, on met des mots ensemble pour faire une phrase. Donc, ici, on va prendre nos notes. Ici, on a 8 notes. On va les grouper en une note, en deux notes, groupe de deux notes, ou groupe de trois notes, groupe de quatre notes. C'est ça qui sont les mots. Et lorsqu'on met ensemble ces mots, ça fait des phrases. Je donne un exemple. Je peux grouper en deux. Comme ça. Voilà, ça c'est un mot. Deux. Mot. Mot avec deux syllabes. Tu peux avoir des mots avec trois syllabes. Ce sont des notes. Trois notes ensemble. Trois. Avec quatre syllabes aussi. Sont des groupes de notes, des quatre notes ensemble. One, two, three, four, quatre. What I was doing here is just to show that what I call words, you it means that you are playing the notes, you put them in group. So you have group of two notes, okay? It's like a word with two syllables, two notes playing together. You can also have three notes together, a group of three notes like. Or four notes together. These are the words. Now you put them together, you have a phrase, you have your sukus.
So slick. So simple as that. Vous les mettez ensemble et vous avez le soukous. This is my way to see that. Okay? Now, give an example. I want to put a word. I want to get a phrase. Because it is very short, you know, we don't have a lot of time to play longer stuff, you know, longer phrase, you know, because we have just 1 second to do that. So our phrases will be very short. On n'a pas beaucoup de temps de les faire, donc lorsqu'on crée des phrases, ça doit être des phrases courtes. Parce que ça va tellement vite, on n'a pas le temps de faire des longues phrases. C'est pour cela que la première, un exemple que je donne, c'est créer une phrase avec deux mots. Il y a un mot avec deux syllabes et un mot avec trois syllabes. Deux syllabes, je peux faire comme ça. Trois syllabes. Voilà. Syllabes, trois syllabes. Un exemple. This is an example, you know, using two words, one word with two syllables, another word with three syllables. This is the analogy. Okay. Two notes. Three notes. Notes from the scale, okay? Three syllables. Donc, grouper les trois notes. Pas de souci. Qu'est-ce qu'on prend? Comme vous voulez. You combine the way you want it. You pick any note, put two notes and three notes. Try it. You're gonna see that I'm right. It's gonna be a lick. If it sounds delicious, it's a lick. You put two and two, two and four, one. Okay. One, three. Okay, to make it short, this is the way it is, okay? This is a creation. This is how you create. It's like you talk, you have four, but you have a full stop. To finish a phrase, there's a full stop. Now let's talk about full stop. Alors, lorsque tu fais ta phrase, lorsqu'on écrit, il y a un point à la fin de la phrase. Le point, c'est quoi? What is the full stop here? It is the ending, the note that you are using to end your lick. It's very important. You can use any note to end because we are in the scale. And then when you have C, you have F, you have G, you have a lot of notes there in those three chords. That means the chance is that no matter when you end your phrase, it will be one of the notes in the progression. There's a lot of chance. But my advice is, let's end it with either the first degree, the tonic C, either the fourth F or the fifth G. End your phrase with C, F or G. C is here, F is here, G is here. Let's say it in French. Donc, c'est bien, mais la terminaison, comment vous terminez vos partitions, votre partition que vous avez créée. Vous pouvez terminer votre partition avec n'importe quelle note. Parce que normalement, lorsqu'on a trois accords comme ça, dans la progression, il y a beaucoup de chances que toutes les notes du scale
s'y retrouve dans cette progression. Do, mi, so, do, fa, la, do, fa, sol, si, ré, sol. Donc c'est sol, si, ré, sol, fa, la, do, fa, do, do, mi, so, do. Donc il y a déjà beaucoup de notes, il y a les do, il y a les fa, il y a ré, il y a les la, il y a le sol, il y a le mi, les notes sont là. Donc la chance c'est que peu importe là où vous terminez, ça c'est juste. Mais mon conseil c'est quoi? C'est terminer soit avec le premier degré avec le tonique, avec le do, soit terminer avec le fa, soit terminer votre phrase avec le sol. La note en fait, les notes, donc la note do, fa et sol. Do est là. Do est là. Fa est ici. Et puis on a la. Là, cela veut dire que je vais faire une phrase terminée avec do. Donc, voilà, la phrase c'est quoi? C'est mettre 2, 3, 3, 3. Des petites phrases comme ça. Je peux mettre. Je joue. C'est juste, ça sonne bien. Terminons avec F. So I just ended with C. C. Sounds good. Sounds right. Just. Let's do it with F. Terminons avec Fa. Okay, now I get something. Right, ami, ça sonne vrai avec le sol. Terminons avec le sol. Let's end our phrase with G. Good. This is the way to go. It was clear. Thank you very much. Try to practice. Use it. You're gonna have some fun. It's gonna be correct. Alors, amusez-vous bien. Merci. À la prochaine.